Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec l'équipe du vendredi. Bonsoir à tous les soirs. Bonsoir. Et les deux fous qui hurlent à ma gauche. Marion, un peu de calme, de sérénité. Ce soir, je vous parle du prix Nobel de la paix remis à deux journalistes et c'est une première. Mohamed, votre story du jour. Hier, s'est ouvert un procès historique en Allemagne. Je vous raconte tout ce soir. Pierre, dans votre œil ce soir. Je vous présenterai un nouveau duo de cinéma extraordinaire, Un loup et un lion. C'est le nouveau film de Gilles de Maistre. Patrick, dans votre édito. Le secret de la confession, ce que nous apprend le cinéma, justement. Et Mathieu, dans votre 5 sur 5 ce soir. Un nouveau jeu dans les cours de récré inspiré d'une série télé, ça inquiète les parents, on en parle tout à l'heure. Autant de sujets que l'on soumet à nos invités avant de recevoir Samuel Etienne, Bruno Guillon et Cyril Ferraud pour une spéciale jeu télé autour d'un vieux Beaufort. Parce que vous nous servez, cher Julien Gatillon, des cardons au vieux Beaufort. C'est bien ça. Exactement. Bonsoir, ravi d'être ici et merci de m'accueillir. Ça va être une recette autour de cardon Beaufort vin jaune. Une recette que j'ai faite il y a quelques années et que je fais maintenant chez nous à Megève. C'est notre concept. Une table, une réservation. Une table, une réservation. Restaurant un peu particulier, une seule table, une seule réservation. Il n'y a qu'une table dans le restaurant. Le nom s'appelle Nous. Ah, pardon, voilà. Je viens de comprendre. Merci beaucoup, cher Julien. On est vendredi. Je vous prie de m'excuser. C'est un homme à la trajectoire hors norme qui revendique deux dates de naissance. L'une est officielle sur sa carte d'identité, l'autre est spirituelle. Lorsqu'à 21 ans, il rencontre un grand maître tibétain qui va changer sa vie. Le chercheur en génétique quitte alors l'Institut Pasteur pour devenir moine bouddhiste et prendre la robe, le kesa, qu'il porte depuis 50 ans en toutes circonstances pour la première fois à la télévision française en 1995. Depuis quelques jours, 15 moines du monastère tibétain de Sechen offrent la possibilité d'assister à ces danses sacrées, des danses jusque-là réservées à un public d'initiés. C'est une sorte de pont entre les moines et la communauté qui les entoure. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de sacrilège à montrer ça aussi à un public occidental puisque c'est destiné précisément à créer un lien, une communication avec le monde qui nous entoure. Mathieu Ricard, moine bouddhiste, traducteur, photographe, raconte dans ses mémoires ses choix de vie radicaux. Il est ce soir notre invité. Bonsoir Mathieu Ricard. Bonsoir, merci de votre présence ce soir à l'occasion de deux ouvrages, un magnifique livre de photos, un voyage immobile, l'Himalaya, vu de votre ermitage et vos mémoires. épaisse, carnet d'un moine errant dans lesquels vous faites le récit des 53 dernières années passées depuis le jour de votre naissance, puisque vous êtes né à 21 ans. Lorsque vous faites votre premier voyage en Inde, au Cachemire, vous êtes alors sur le point d'entrer à l'Institut Pasteur pour y faire carrière comme chercheur en génétique, mais là-bas, vous comprenez ce qui vous manquait jusque-là dans l'existence. En fait, j'ai été très privilégié, puisque j'ai rencontré des grands intellectuels, par mon père, philosophe, Jean-François Revel, ma mère, Yann Le Toumelin, qui est peintre, donc Pierre Soulages, Georges Mathieu. Mon oncle, Jacques-Yves Le Toumelin, est un grand navigateur, donc des explorateurs les plus fascinants. La science, avec François Jacob, la musique, j'ai rencontré des grands musiciens. Mais en même temps, j'étais déconcerté par le fait que le génie particulier de ces personnes, aussi bien comme celui d'un jardinier ou d'un charpentier, il y avait la même distribution de gens extrêmement bienveillants, heureux, et d'autres exécrables et malheureux. Et il n'y avait pas de corrélation. Un grand philosophe pouvait être extrêmement difficile à vivre. Et donc, si on cherche un modèle de vie... Une inspiration. Oui, une source d'inspiration, mais aussi comment devenir un meilleur être humain, on est un peu déconcerté, parce que je voudrais jouer aux échecs comme Bobby Fischer, mais pas être Bobby Fischer. Et donc, quand j'ai vu les films d'Arnaud Desjardins, j'avais l'impression de voir d'un seul coup 20 Socrate, 20 Saint-François d'Assise. Je me dis, je vais aller voir. J'avais 21 ans. Et effectivement, je ne connaissais rien au bouddhisme, mais la qualité d'être de ces personnes, leur cohérence, la leur sagesse, résilience. La bienveillance... Je me suis dit, là, si je pouvais devenir un tout petit peu comme ça, ça me donnait un sens d'une direction. Et donc, je n'ai pas précipité les choses parce que c'était une décision grave. Oui. Et donc, j'ai fait 5 ou 6 allers-retours avant de faire un aller simple, tout en finissant ma thèse. Voilà. Et donc, à un moment donné, c'est devenu parfaitement clair
que j'ai vu que c'était des personnes qui n'attendaient rien de moi, n'espéraient rien de moi, mais comme des vieux marins, un pianiste expérimenté qui veut passer son savoir. Et ils avaient tout à donner, tout à partager. Ben voilà, 20 ans au Cachemire. En fait, c'était à Darjeeling, donc je suis allé. Et il y avait tous les grands maîtres qui avaient fui l'invasion communiste chinoise. Donc là, brusquement, c'était, je voyais une chance, une direction. Je voyais ce que je pouvais faire. Mais après, il fallait mettre évidemment cette inspiration en pratique. Et donc, c'est là où j'ai fait le pas. Alors, ce n'est pas claquer une porte, changer brutalement. J'ai plutôt l'image de, si on passe un col, et on découvre une autre vallée avec des jardins fruitiers, une grande rivière, on n'abandonne pas la vallée d'avant, la science, mes amis, mais on passe à un autre chapitre de sa vie. C'est tout de même une décision radicale que vous avez prise à 26 ans et que vous n'avez jamais regrettée depuis. Malgré la vie recluse, austère que vous avez menée, votre ermitage au Népal, c'est une cabane. On voit des photos de 2 mètres sur 3. C'est à Darjeeling, oui. C'est mon premier ermitage que j'ai revu 40 ans plus tard. Il était en meilleur état à l'époque. Hein. Vous n'aviez ni eau ni électricité, ce qui... Oui, mais enfin, c'était parmi les années les plus merveilleuses de ma vie. 7 ans, oui. Parce que j'étais exactement ce que je voulais faire. Je voyais mon guide spirituel tous les jours. Il me, en quelque sorte, me guidait pas à pas. Je découvrais comment moi-même progresser petit à petit. C'était le monastère. J'étais juste au-dessus de ce monastère qu'on voit là. Et voilà, c'était des années extrêmement formatrices, peut-être les années les plus cruciales de mon existence. Je ne suis pas revenu en France pendant 7 ans. Je n'ai pas bougé de Darjeeling. Et voilà, ça a ouvert des perspectives que je continue d'explorer aujourd'hui. Rester ici, vous aurez coûté beaucoup plus que vivre reclus. Quel regard ? Je baignais dans un monde qui me convenait. Exactement. Quel regard, justement, vous portez sur les vies que nous menons ici ? Moi, je n'ai pas la vocation d'un Zorro en mobilette. C'est le regard qu'on porte sur le monde en général. Quelles sont les priorités qu'on souhaite mettre dans l'existence ? Si on souhaite, en premier lieu, devenir extrêmement riche, j'ai entendu quelqu'un l'autre jour, il y a très très riche, plus riche, très riche. Bon, ben d'accord, mais enfin bon, est-ce qu'on va être vraiment épanoui comme ça ? Ou bien, grand pouvoir, influence, la beauté physique, la renommée. Je crois que vouloir être, s'épanouir dans la vie, c'est un peu qu'espérer en faisant ça, c'est comme d'espérer gagner la loterie, quoi. Il y a très peu de chances que ça marche. Par contre, cultiver les valeurs intérieures de l'altruisme, de la bienveillance, de la résilience, des qualités humaines qui vous permettent d'avoir des relations merveilleuses avec les autres. Et puis, une fois que vous avez essayé un peu de faire ce chemin de transformation, vous mettre au service des autres. Sinon, à quoi ça sert ? La compassion sans action, c'est une compassion un peu stérile. Ce qui vous fascine un peu, c'est nos civilisations occidentales qui vont trop vite. Très vite, avec une culture de l'immédiateté, le règne d'Internet qui favorise, vous pensez, le règne de l'inconnaissance. Oui, alors cette espèce de trépidation. Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup... mon père m'a donné le goût du travail rigoureux, François Jacob aussi. Si vous voulez, l'idée qu'on peut passer une vie à acquérir des connaissances. Moi, je suis un traducteur de textes tibétains. C'est toute une vie. Maintenant, je traduis des textes, mais c'est toute l'expérience d'avoir écouté des commentaires, etc. Et qu'on puisse remplacer ça par quelques clics sur l'Internet qui donnent une sorte d'illusion du savoir. Parce qu'on dit, oh ben, ouais, comme ça, donc on fait une espèce de salade de tout ce qu'on peut lire. Ça ne repose sur rien. C'est comme si j'allais demander au garagiste d'Ordogne de me traduire une phrase de tibétain. Ce n'est pas la bonne personne. Par exemple, pour réparer le carburateur, oui. Donc vous vous méfiez de cette culture-là. Les chaînes d'infos, très peu pour vous. Non, pas forcément. Au contraire, c'est pas vraiment... Je n'ai aucun problème avec la plupart de la presse et des médias, ni même, surtout pas des scientifiques, mais c'est de cette espèce de clameur qu'on trouve un peu partout sans Internet, où on sait très bien que les algorithmes font que vous renforcez par un biais cognitif des croyances fausses, parce qu'on vous abreuve avec tout ce qui alimente ces croyances. Il y a une étude passionnante en neurosciences qui montre quand on présente à des personnes qui ont des théories complètement farfelues, des faits qui confirment leurs biais et leurs opinions, le cerveau est en grande activité. C'était fait à Londres, au Royal College. Par contre, quand on leur présente des faits qui démentent totalement ces croyances absurdes, hein, comme la théorie QAnon ou des choses comme ça, c'est une sorte de... Le cerveau ne réagit pas, c'est comme s'il était imperméable. Oui, donc, vous voyez, si vous voulez, le bouddhisme, une de ses vocations, c'est de combler le fossé entre les apparences et la réalité. Les choses sont impermanentes, sont interdépendantes. Tout ça, c'est la science aussi. A priori, c'est la découverte, vérifier les choses, expliquer les phénomènes.
Je ne suis jamais senti en porte-à-faux avec la rigueur scientifique, parce que simplement là, le domaine est l'exploration des mécanismes de l'esprit, des émotions, de comment, effectivement, le fondement du bouddhisme, c'est de remédier aux causes de la souffrance. Et c'est vrai que dans beaucoup de cultures, il y a une sorte d'addiction aux causes de la souffrance. On voudrait en sortir, mais on se précipite sur ce qui finalement est une source de frustration. Si vous voulez devenir de plus en plus riche, vous êtes forcément frustré, parce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Oui. Et en plus, ça ne va pas faire de bien à personne. Donc, quand on voit les fortunes démesurées qui s'accumulent parce qu'on a eu une bonne idée, comme de créer, je ne sais pas quoi, un truc de vente en ligne, et que ces 20 personnes les plus riches sont plus que le quart de l'humanité, on se dit, il y a quelque chose qui cloche dans le système. En France, ce qui fait la une de l'actualité, ce n'est pas le bouddhisme, c'est une autre religion, la religion catholique. Et notamment, l'un de ses principes fondamentaux, le secret de la confession, c'est le sujet de l'édito de Patrick Cohen. La polémique continue entre les évêques de France qui défendent le secret de la confession et le gouvernement qui estime que les prêtres ont l'impérieuse obligation d'alerter sur les crimes dont ils ont connaissance. Pourtant, ce secret, c'est la règle depuis toujours. Patrick. Oui, depuis 8 siècles, et le concile du Latran de 1215 qui en a rappelé le caractère sacré et absolu. Un prêtre qui reçoit un aveu ou une dénonciation dans le cadre d'une confession ne peut en aucun cas les répéter ou même en laisser deviner le contenu ou l'importance. S'il le fait, il commet un sacrilège et peut être excommunié. Et le secret ne peut être enfreint pour aucune cause, ni pour le bien de l'Église, ni pour le salut du prochain, ni pour le bien de l'État, ni même pour éviter la mort. C'est contraire aux lois de la République. Évidemment, et au code pénal. C'est pourquoi la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église a demandé dans son rapport la levée de ce secret, quand celui-ci conduit à protéger des auteurs de violences sexuelles sur mineurs. Mais cette recommandation se heurte, je le répète, à ce qui reste pour l'instant gravé dans le marbre du droit canon. Aucune puissance humaine, qu'elle soit laïque ou ecclésiastique, ne peut commander à un prêtre de violer ce secret, même en matière criminelle. La force de ce secret a inspiré depuis longtemps écrivains et cinéastes. Oui, dans le troisième volet du Parrain de Coppola, c'est lors d'une confession que Michael Corleone, Al Pacino, fond en larmes en avouant un cardinal qu'il a fait assassiner son propre frère. Et l'ecclésiastique, qui va devenir pape d'ailleurs dans le film, lui pardonne. En mode farce, vous avez Don Camillo Fernandel qui implore le Seigneur de le laisser se venger de Pépone qui vient de lui confesser l'avoir bastonné jadis. Même James Bond a partagé des secrets avec Q dans un confessionnal. Regardez. Forgive me, Father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. Your signal sent Whitehall into shock. Roger Moore dans Rien que pour vos yeux. Mais un film traite en particulier du dilemme de la confession. I Confess, c'est le titre original, en français La loi du silence. Signé Alfred Hitchcock en 1953, l'histoire d'un assassin déguisé en curé qui vient se confesser auprès d'un prêtre, lequel se voit ensuite accusé de ce crime. A man who knows the whole terrifying truth, but can never tell all the strange things his ears have heard. For he is sworn to silence. Grim silence that points the finger of suspicion at him. Crushing silence that brings him the contempt of the people who loved and respected him. Deadly silence that leads him to the 13 steps of the gallows. Montgomery Clift joue ce père Logan, menacé d'être condamné et exécuté à la place d'un criminel qu'il ne veut pas, qu'il ne peut pas dénoncer à cause du secret de la confession, la loi du silence. Alors c'est un bon Hitchcock, mais il n'y a pas du tout marché aux États-Unis, au point que le cinéaste regrettait, il l'a dit dans plusieurs interviews, d'avoir fait le film, à cause, disait-il, de cette singularité catholique incompréhensible. Nous, les catholiques, a dit Hitchcock, qui était catholique, les catholiques connaissent cette règle, mais les protestants, les athées, les agnostiques trouvent qu'un prêtre conservant un secret au risque de sa propre vie est ridicule et qu'aucun homme ne se sacrifierait pour une chose pareille. Mais il y a une autre idée force qu'on trouve souvent dans les films de Hitchcock, c'est le transfert de culpabilité. Après avoir entendu la confession de l'assassin, le père Logan se comporte comme un coupable et en quelque sorte il devient coupable. Hitchcock encore, n'importe quel prêtre recevant la confession de n'importe quel assassin devient lié à son crime.
Voilà, c'est dans les entretiens avec Truffaut et c'est une phrase à méditer pour aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cette règle du secret de la confession ? Je ne la comprends pas, c'est certainement pas à moi de juger. J'ai entendu hier un médecin qui disait là même le secret professionnel du médecin s'arrête lorsqu'il y a un danger et lorsqu'il y a des souffrances qui sont en jeu et qu'on pourrait éviter. Donc, si vous voulez, sans le moindre du tout m'immiscer dans ce débat, je dirais que si notre but ultime est l'amour, la bienveillance et la compassion, tout ce qui permet d'éviter la souffrance est éminemment désirable. Je me rappelle quand Kant disait qu'il ne faut pas détruire la texture de la vérité pour l'humanité tout entière et que si quelqu'un, un criminel, cherche à tuer quelqu'un et le poursuit, et qui vous demande par où est-il passé, il faudrait dire la vérité. C'est un cas extrême, mais ça me paraît un peu bizarre du point de vue de la compassion. Donc je pense qu'une éthique incarnée, où vraiment on fait de son mieux pour éviter de la souffrance, c'est personnellement ce qui m'inspire le plus. La commission Sauvé, dont les conclusions sont sidérantes, entre 2900 et 3200 prêtres ou religieux pédocriminels qui ont sévi dans l'Église de France depuis près de 70 ans, a soulevé également la question du célibat des prêtres. Est-ce que c'est une question qu'il faut se poser ? Oui, certainement. Si vous voulez, moi j'ai fait des vœux monastiques, mais à un moment donné... Vœux monastiques de chasteté. Où c'était une joie, en quelque sorte, d'avoir une liberté parfaite. C'était un choix mûri, ça ne faisait pas une grande différence. Et je me suis dit, voilà, si je veux vivre toute cette vie au Bhoutan, au Tibet, 20 voyages au Tibet, faire des retraites, j'ai fait 50 retraites solitaires, par simple, pour être correct, disons, un certain sens de la responsabilité, imaginez que j'ai une femme et 3 enfants, je leur dis, écoutez, ça va bien, hein, je vous reviens vous voir dans 3 ans. Oui. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de bien, ce n'est pas possible. Donc, c'est un choix de vie. Je m'occupe de 30 000 enfants dans les écoles que Caruana Sechen a construites. Je les aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les hommes et les femmes tous les enfants du monde. Et Mais puis vous n'avez jamais eu de regrets charnels de... Non, parce que j'aurais jamais pu mener cette vie si c'était pas... Mais ce qu'on comprend, c'est que si ce vœu de chasteté est subi très jeune et comme une contrainte, ça devient un problème. Si ça devient une contrainte, c'est un poids qui se traduit par ce qu'on voit. Et ça, ce n'est pas... malheureusement l'apanage des communautés chrétiennes. Ça existe aussi dans le bouddhisme. Ça existe. Le bouddhisme ne fait pas exception. Et toutes les communautés humaines, il y a 3% de psychopathes, on voit ça dans l'éducation, dans les familles. En fait, le pire, c'est presque dans les familles, dans le sport, le spectacle. Enfin, on en voit à plus finir. Donc ce qu'il faut, c'est accueillir les victimes, qu'elles ne soient pas laissées pour compte, avoir des structures qui permettent de les guider, de les écouter en temps utile, pas qu'elles aient besoin d'attendre 20 ans, 30 ans. C'est en ça que l'Église peut-être a failli en France. Moi, je ne peux pas juger. J'ai toujours du mal à dire du mal des autres, mais c'est vrai que dire les choses à temps, être attentif... plein de bienveillance et non pas essayer de se protéger d'une façon ou d'une autre. Mathieu Ricard, quand vous avez commencé, vous l'évoquiez tout à l'heure avec Anne-Elisabeth, à vous interroger, à vous poser de grandes questions de changement de vie, votre père, Jean-François Revel, n'était pas très rassuré. Il pensait que vous alliez gâcher votre carrière et une grande partie de votre vie. Pour ce côté-là, oui, c'est ma carrière scientifique, elle en a pris un coup, disons. Sauf que 30 ans plus tard, je suis revenu aux neurosciences par la grande porte en collaborant, en signant des papiers scientifiques, je ne me serais jamais attendu à ça. Mon père a eu la décence de dire, Mathieu a 26 ans, il peut choisir sa vie. Donc il était catastrophé. Je lui ai appris ça dans la forêt en marchant, silence. En gros, il m'a dit, mais comment tu vas vivre ? Parce que la question, je ne m'étais même pas posée. Et que, rétrospectivement, j'ai dit quand même, j'étais un peu insouciant. Oui. Partir à 26 ans avec l'équivalent de, je ne sais pas, aujourd'hui, 2000 euros en poche pour le reste de la vie, ça a très bien marché. Mais j'ai appris plus tard qu'il est, son ami Olivier Todd, quand nous étions auprès du lit de mort de mon père, il m'a dit, tu sais, ton père, il est venu me voir, il a pleuré. Donc il a... Enfin bon, et après, il était très content de voir ce que je faisais, quand il a vu que je ne fumais pas la moquette et que tout se passait très bien. Donc voilà, si vous voulez. Mais c'est vrai que, comme il disait, un père philosophe veut toujours avoir un fils scientifique. Puis après, bon, j'ai fait plein de choses, donc il était content. Et votre maman, elle, vous l'avez convertie au bouddhisme, elle est devenue... J'ai converti personne, maman. Enfin. Vous n'avez converti personne, mais en tout cas, de vous suivre, de vous écouter, elle est devenue elle-même bouddhiste, et votre famille donnait presque envie à Jean d'Ormesson de la rejoindre, avec qui vous vous étiez retrouvé sur le plateau de C'est à vous. Quelle famille extraordinaire. Moi, au lieu de choisir au hasard, j'aurais bien aimé entrer dans votre famille. Ben voilà, c'est possible, c'est possible. C'est joli, au lieu de choisir au hasard. Alors, elle a 90 ans, elle a toujours elle lit à voix haute 4-5 heures par jour.
Elle ne sait plus trop où elle est. Elle me demande parfois qui est le plus vieux de nous deux. Mais elle a gardé son poésie. Elle chante des chansons de 1930 que je n'avais jamais entendues. Oh. Dans genre, si t'es dans la purée, reviens vers moi. On l'a cherché sur Internet, on l'a trouvé. Elle chante Mozart en italien, mais elle a aucune idée où elle est, mais c'est très bien. Vous vivez à ses côtés, en Dordogne, depuis la crise sanitaire. Est-ce que vous avez l'impression que ces différents confinements, cette vie d'ermite que nous avons vécue, vous me voyez venir, nous a changé un peu, nous a rendu plus philosophes? Je vois votre regard que vous n'y avez jamais cru à ce monde. Non, non, moi je suis un peu profilé professionnel, donc que ce soit dans mon ermitage. Mais j'ai participé à une étude par un psychologue danois que je connais bien, au sein de l'Institut Mind and Love, qui a interviewé 1600 personnes en profondeur dans 70 pays qui ont vécu le confinement l'année dernière le plus strict. Et il y a 17% qui ont très très mal vécu. C'est-à-dire soit la solitude pesante, soit des conditions matérielles, soit perdre des proches, soit être malade. Donc, ça, on en parle beaucoup, l'augmentation des suicides chez les jeunes. Mais, disait-il, 50% disent en avoir retiré une expérience très constructive. Ça, c'est moins audible, disons, parce que, mais ça n'efface pas les drames des 17%. Mais malgré tout, reconnexion avec la nature pour ceux qui vivent dans la campagne, reconnexion avec ses proches. On parle toujours de ralentir. Ben, on a ralenti. On parle toujours de passer trop de temps dans les transports en commun. Ben, on a appris à travailler autrement. Donc, il faut voir aussi que ça a pu nous faire réfléchir sur nos priorités. Une autre chose, c'est quand on voit la détermination, finalement, des gouvernements de prendre des mesures draconiennes et des citoyens quand même de suivre ces mesures, on se dit, ben voilà, si seulement la moitié de cette détermination pouvait être mise au service de la plus grand défi du 21e siècle, qui est les mesures pour pallier au réchauffement climatique, là, on arriverait quelque part, et ça ne serait pas, comme dit Greta Thunberg, bla, 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 quoi. Carnet d'un moine errant, il faut se plonger dans vos mémoires où vous évoquez tous les maîtres successifs qui vous ont inspiré et montré la voie, qui ont été vos modèles. C'est passionnant, c'est chez Alary Édition, avec ce magnifique livre de photos, ce voyage immobile. Et on voyage avec vous tout en restant immobile. Voilà. Quand vous-même, vous étiez immobile, réfugié depuis vos cabanes. En Himalaya, dans le Darjeeling et après Au Népal. Dans le Népal. Vous restez avec nous, on va continuer longuement à évoquer l'actualité avec vous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mohamed. Votre story du jour est consacrée à une rafle oubliée de l'histoire. Elle a eu lieu à Marseille et le procès des responsables s'est ouvert hier. Le 24 janvier 1943, 20 000 personnes, dont des juifs, des pêcheurs, mais aussi des ouvriers, sont raflées par les Allemands, accompagnées par la police nationale française dirigée par René Bousquet. 12 000 sont emmenés de force dans un camp de Fréjus. 1600 seront ensuite déportés en Allemagne dans des camps de concentration. Officiellement, pour les Allemands, Marseille est un repère de bandits internationaux et il faut épurer les vieux quartiers, refuge de ces indésirables. Certains verront dans cette opération un acte stratégique pour débusquer les déserteurs allemands. Toujours est-il qu'une seconde rafle s'organise dans le centre-ville. 25 000 personnes seront évacuées. Après les Juifs, les soi-disant voyous marseillais, 600 suspects, rejoindront les Juifs déportés avant eux à Compiègne. Hier, à Brandenburg an der Havel, en Allemagne, s'est ouvert le procès d'un ancien gardien d'un des camps de concentration où ont été déportées les victimes de la rafle marseillaise. À 101 ans, Joseph Schütz doit répondre de complicité de meurtre de 3500 personnes. Courbé sur son déambulateur, un dossier devant le visage, Joseph S. s'assoit sur le banc des accusés. À 100 ans, cet Allemand devra répondre de ses actes. Entre 1942 et 1945, il était gardien dans le camp de concentration de Sachsenhausen, près de Berlin. 3 ans pendant lesquels il aurait multiplié les exactions, selon les juges. Pour les descendants de victimes, ce procès était nécessaire, même plus de 70 ans après les faits. Parmi les parties civiles, la fille et le petit-fils d'un Marseillais, Francesco Comental, mort à 59 ans dans l'un de ses camps, dans des circonstances inconnues. Sa fille et son petit-fils veulent apprendre comment Francesco est décédé et pour quelles raisons. Ils veulent un procès pour l'histoire. Madame Comental veut partager le destin de tous ces Marseillais, puisque la justice française poursuit aujourd'hui ce crime contre l'humanité, et c'est la justice allemande qui va le juger, puisque cet homme est un complice du crime contre l'humanité, et donc faire œuvre de mémoire, des mémoires collectives qui se mêlent pour éviter que tout cela ne recommence. Un autre homme est entré dans l'histoire, c'est Eddie Jacu. En 1945, pendant une marche de la mort près d'Auschwitz, il réussit à s'échapper. Il est secouru par les Alliés. Depuis 1950, il vit en Australie, où il est volontaire du musée juif de Sydney.
Eddie J.Q. describes himself as the happiest man in the world. We wonder if perhaps he is also the wisest. I do not hate anyone. Hate is a disease which may destroy your enemy, but will also destroy you in the process. I was at the bottom of the pit, so if I can make one miserable person smile, I'm happy. Eddie J.Q. a 101 ans. Il continue de promouvoir l'histoire, il enchaîne les conférences mondiales et les rencontres avec les enfants. Il a publié son autobiographie « L'homme le plus heureux du monde ». Son objectif, à travers son ouvrage, que son récit reste dans les mémoires pour ne jamais oublier l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. Vous aussi, Mathieu Ricard, on vous a longtemps décrit comme l'homme le plus heureux du monde. Alors je vais l'expliquer. Des chercheurs au Wisconsin ont branché 256 capteurs sur votre tête. Ils ont constaté dans votre cerveau une suractivité du cortex préfrontal gauche, lui donnant une aptitude anormale au bonheur et une réduction de la propension à la négativité. Ça, c'était avant que vous expliquiez que c'était une sorte de blague. Non, ce n'est pas une blague, il y a des recherches et en fait ce qu'on étudiait principalement c'était la méditation sur l'amour altruiste qui déclenche effectivement des activations d'ondes de fréquence gamma, pas seulement sur moi mais sur une vingtaine de sujets qui avaient fait 50 000 heures de méditation, les plus disons, intenses qu'on ait jamais enregistrées en neurosciences. Donc c'était pas mal, mais de là à sauter le pas. Sur 7 milliards d'êtres humains, qu'est-ce qu'on en sait ? Alors, bon, je me suis excusé auprès de mes amis scientifiques, donc c'est une grosse blague. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, il y avait une sorte de cohérence dans cet entraînement qui montre des choses intéressantes. Donc, la recherche a continué depuis 20 ans. Ça a confirmé que si vous vous entraînez à la bienveillance, à l'attention, à l'équilibre émotionnel, votre cerveau va changer fonctionnellement et structurellement, et même déjà au bout de quelques mois. Et donc, ça encourage la notion que l'entraînement de l'esprit, ce qu'on appelle parfois la méditation, c'est pas seulement rêver sous un manguier avec deux petits bâtons d'encens, c'est vraiment devenir un meilleur être humain pour pouvoir mieux se mettre au service des autres. Et c'est remarquable de voir cet homme. Et j'ai retenu sa phrase à propos de la haine, parce que le Bouddha disait aussi, si la haine répond à la haine ne cessera jamais. Personne n'a jamais été heureux par la vengeance. J'ai entendu des témoins qui avaient assisté à l'exécution de Timothy McVeigh au travers d'une vitre, des parents de victimes, et qui disaient, ben, c'est pas suffisant, il faudrait le couper en rondelles presque. Il n'y a que de se retrouver son équilibre au travers de la bienveillance, c'est pas un pardon ou d'oubli, mais simplement renoncer à perpétuer le cycle de la haine. Et ça, c'est un merveilleux exemple. Merci beaucoup, Mohamed. Merci, à tout à l'heure pour la Story Média. Marion, ce matin, à 11h, était décerné le prix Nobel de la paix. À deux journalistes, et c'est une première. Maria Ressa, 58 ans, a cofondé la plateforme numérique de journalisme d'investigation Rappler en 2012, qui a braqué les projecteurs sur les dérives du président philippin Rodrigo Duterte. Quant à Dimitri Muratov, 59 ans, il est l'un des fondateurs du journal Novaya Gazeta, principale publication d'opposition russe. Il a d'ailleurs dédié son prix à ses 6 collègues assassinés, parmi lesquels Anna Politkovskaya, tuée il y a près de 15 ans. C'est la première fois en 120 ans que le prix Nobel de la paix récompense la liberté d'information en tant que telle. D'habitude, il est davantage attribué à une personnalité. Exemple, en 1989, avec quelqu'un que vous connaissez bien. The prize reaffirms our conviction that with truth, courage and determination as our weapons, Tibet will be liberated. Voilà, le comité Nobel qui dénonçait 30 ans de répression chinoise à l'époque, et l'histoire est loin d'être finie, en soulignant le rôle fondamental du Dalai Lama pour sa lutte non violente en faveur de l'indépendance de son pays, un message qu'il véhicule aux quatre coins du monde inlassablement depuis plus d'un demi-siècle, avec le charisme et le sens de l'autodérision, je vais y arriver, et du show qu'on lui connaît. The size of nose, as you mentioned, my nose, consider big nose. I don't think it's a big nose. Alors, on parle beaucoup des droits de l'homme, donc c'est mon droit de l'homme de profiter de ce gâteau. J'ai l'air pas sérieux. Est-ce que j'ai l'air de pas aimer? Voilà, l'un de ses derniers passages en France, c'était en 2016, à l'occasion d'une rencontre sur le dialogue interreligieux au Collège des Bernardins, où il assumait un style particulier.
remercie les Bernardins d'avoir réalisé ce rêve journalistique, parce que c'est extraordinaire de vous avoir tous ici réunis à l'initiative de Sa Sainteté, le Dalaï Lama. Voilà, qui a décidé vraiment de décontracter cette réunion. L'homme qui réalisait ce jour-là son rêve journalistique, c'est Patrick de Carolis, ancien président de France Télévisions, aujourd'hui maire d'Arles, qui se passionne pour les héroïnes oubliées de l'histoire, et il est ce soir notre invité. Bonsoir Patrick de Carolis. Très bien, merci. Bonsoir. Ravi de vous accueillir ce soir. Vous publiez avec votre épouse Caroline de Carolis, Bianca, l'âme damnée des Médicis, le récit d'une femme très indépendante, détestée par les Médicis, au destin étonnant, et qui, dès les premières pages, s'adresse d'outre-tombe pour dire à quel point elle va réhabiliter son nom et se venger de la façon dont les Médicis l'ont traité. Avant de nous plonger au XVIe siècle, revenons il y a 5 ans pour cette conférence au Collège des Bernardins, ce rêve journalistique que vous avez réalisé. Quel souvenir vous en gardez du Dalaï Lama ? Merveilleux, avec un humour du Dalaï Lama extraordinaire. Parce qu'il avait très chaud ce jour-là. Il s'est mis une serviette, voilà, humidifiée sur le crâne. Ça a donné le ton et très sympathique de la rencontre. C'est vrai qu'on a besoin de ce genre de rencontre. Il y en a pas assez souvent. Une rencontre qui était placée sous le signe du respect, de la tolérance. Ce sont deux notions qui manquent beaucoup aujourd'hui. Si vous me voyez venir, Patrick et Carolis. Je pensais venir parler du livre. Vous voulez parler de la tolérance et du respect, oui. D'autant que dans le débat, en tout cas, qui s'annonce, c'est le débat présidentiel. Je pense qu'on a besoin de mesures, je pense qu'on a besoin de compréhension, de clés de compréhension, et pas forcément d'invectives et de coups bas. Voilà. L'un des candidats pas encore déclarés qui monopolise l'espace médiatique, c'est un éditorialiste qui a fait ses débuts à France Télévisions lorsque vous étiez président du groupe. Oui, avec Nolo, non ? Exactement. Il faisait un tandem Tant avec... Tant qu'on n'est pas couché, voilà. Avec Laurent Ruquier. Est-ce que sa présence vous gênait à l'époque ? Sa présence ne nous gênait pas, parce que d'abord, elle était très équilibrée par Nolo, et on avait là un tandem et deux voix dissonantes et qui animait convenablement l'antenne. Donc à ce moment-là, ça ne nous convenait pas. Mais à ce moment-là, il n'était pas devenu le Zemmour, peut-être qu'il est devenu, avec ses arrière-pensées, d'être candidat à la présidentielle. Juste une dernière question. L'association SOS Racisme, vous avez demandé de mettre fin à sa présence en 2010. Il n'en a rien été, parce que sa liberté d'expression était plus importante que tout à l'époque. Parce que je pense de toute façon que ça ne sert à rien d'étouffer des voix. Je pense que nous sommes en République, je pense que tout le monde a voix au chapitre, que tout le monde a le droit de s'exprimer avec mesure, mais tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Ça, c'est important. Après, tout le monde a le droit de le combattre, et tout le monde a aussi le droit de ne pas être d'accord avec lui. Mais c'est le débat républicain. Le débat républicain qui va se prolonger demain au Havre. Oui, puisque demain au Havre, Édouard Philippe lance son parti. C'est à la fois un geste fort, mais il semble que ce soit une création, si j'ose dire, qui enjambe la prochaine élection présidentielle. Depuis son départ de Matignon, Édouard Philippe est très prudent dans ses prises de parole. Je ne réponds pas d'ailleurs aux questions qui portent sur 2022. Je pense qu'on passe beaucoup trop de temps à se poser des questions tactiques, à des questions de personnes. Je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on commence par penser à la France avant de penser à l'élection. Vous serez demain au Havre pour la création, le lancement de ce parti ? Vous qui êtes maire d'Arles. Oui, j'y serai. J'y serai parce que d'abord, Édouard Philippe est quelqu'un que j'estime beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour lui aussi. On se connaît depuis quelques années. Et puis, c'est quelqu'un qui a envie de tirer le débat vers le haut. C'est-à-dire de dire qu'est-ce que sera la France dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? De ne pas avoir le nez sur le guidon, et de répondre à des vrais sujets. Les vrais sujets, c'est quoi aujourd'hui ? C'est l'indépendance de l'économie nationale. La souveraineté nationale. La souveraineté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai bien entendu le président de la République, dans un de ses discours, dire qu'il fallait rapatrier à un moment donné et redonner de l'énergie à la France et de l'indépendance économique à la France. C'est un vrai sujet. Le vrai sujet, c'est la dette. Énorme.
Le vrai sujet, c'est la réforme de la fonction publique, c'est la réforme des collectivités locales, c'est la retraite. Ça, ce sont des vrais sujets et qu'on ne peut aborder, à mon sens, que calmement, posément, sans avoir le nez sur une élection. Et c'est ce que va sans doute, et je l'espère en tout cas, proposer Édouard Philippe. Et quand on a échangé, nous, eh bien, on a parlé de ça et on a parlé des vrais sujets avec les maires. Ce que nous, nous rencontrons comme difficultés sur le terrain, des difficultés d'équilibre financier, des difficultés avec le travail, avec le chômage, avec l'habitat, avec la sécurité. Ça, c'est du concret. Et cette République qu'il entend de ses voeux, qu'il aspire de ses voeux, fondée sur l'expérience des maires, c'est quand même ce qui manque à notre pays aujourd'hui. Regardez, pardon, mais regardez... la période de la vaccination, qui a vacciné ? Ce sont les maires. Ce sont les maires dans les villes qui se sont organisés avec les professionnels de santé, les médecins, les pharmaciens, les aides-soignants, les laborantins. Ils ont dit, ça y est, on va déjà dépister et puis organiser. L'ARS s'est reposée totalement sur les maires. S'il n'y avait pas eu les maires, il n'y avait pas eu de vaccination. Donc vous voyez, on a quand même là dans le millefeuille français, une étape qui est forte avec le tissu des maires. Et on disait à l'époque qu'il y a 36 000 communes, il faut en supprimer. Ouais. Aujourd'hui, plus personne n'évoque ce débat de la suppression des maires, parce qu'ils savent qu'ils sont en contact avec les gens. Donc c'est cette expérience et cette réflexion qu'on a envie de porter. Et Édouard Philippe nous propose justement, ouais, à un moment donné, ben d'organiser cette réflexion. Et c'est ce qui, moi, personnellement, m'intéresse. Sans agenda électoral Sans agenda, en tout cas, c'est le sien. Moi, c'est celui de me dire qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans. Voilà, vous savez, moi, j'ai hérité d'une municipalité communiste qui est ce qu'elle est, avec des difficultés, avec une dette considérable. Et quand je vois ma dette, la dette de ma ville, et que j'imagine celle de mon pays, je me dis, mais comment on va faire, quoi ? On imagine que vous êtes sollicité, là, avec, on vous demande votre signature pour soutenir une candidature. Pas pour l'instant, vous savez, on est à 7 mois des élections, donc c'est trop tôt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le débat, la construction d'un avenir pour notre pays. Marion. Les luttes de pouvoir, puisqu'on en parle, sont aussi très présentes dans Bianca, l'âme d'année, oui, des Médicis, ce récit historique que vous co-signez avec votre épouse, Caroline de Carolis. Bianca Capello, qui n'est pas un des personnages les plus connus de la famille, épouse le 5 juin 1578 Francesco Ier de Médicis, contre l'avis général de toute la famille Médicis, qui la hait au point de vouloir s'en débarrasser. Vous vouliez, vous, la réhabiliter ? Cette, oui, femme indépendante, volontaire, qui allait contre son temps. Oui, parce que d'abord, voilà, une famille, une dynastie qui a voulu rayer de la carte cette femme. Mmh. À la mort de son mari, il meurt à 12 heures d'intervalle. Hein. Il y a quand même un mystère sur leur mort. Ont il été empoisonné, oui, par le frère de François Ier ou pas, ça court encore. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'ils n'ont pas été empoisonnés ou qu'ils ont été empoisonnés. C'est quand même l'histoire d'un grand amour entre une Vénitienne de très bonne famille, Capello, dont le nom est inscrit sur le registre, le livre d'or de la Sérénissime, et qui va, à 16 ans, tomber amoureuse d'un jeune... Un amour de jeunesse. D'un amour de jeunesse, bon. Et cet amour de jeunesse est inacceptable pour Venise, parce qu'à Venise, le doge, c'est lui qui dit, vous mariez, vous qui êtes une grande famille, vous ne pouvez pas vous marier avec un roturier, etc. Et donc, il s'enfuit à Florence. Et là, la vie n'est pas la même, parce que lui, effectivement, n'est pas riche. Donc, ils se marient, ils ont un enfant, et elle rencontre... François Ier de Médicis, et là, c'est un amour prodigieux, un amour exceptionnel, passionné, vrai, authentique, inattendu, parce que ces deux êtres n'étaient pas là pour se rencontrer, si rien n'était écrit, et surtout, inacceptable, vous l'avez dit, par cette famille, ce clan des Médicis. Et quand il meurt, eh bien, Ferdinand se précipite au chevet de son frère, parce qu'il va prendre le pouvoir. Il sépare les deux êtres qui ne savent pas qu'ils sont en train de mourir l'un l'autre.
sont dans deux chambres différentes. Et bien sûr, quand François Ier meurt, il a des obsèques extraordinaires. Il va retrouver sa première femme, Jeanne d'Autriche, qui était morte quelque temps avant. Alors que Bianca. Qui était la grande concurrente de Bianca. Et Bianca, elle, on ne sait pas où elle est enterrée. On ne sait rien. Et Ferdinand efface tout de ses, d'elle, ses portraits, ses inscriptions. Il ne veut plus en entendre parler. Et j'ai trouvé, et nous avons trouvé avec mon épouse, que c'était un personnage merveilleux, formidable, parce que cette femme qui a toujours été considérée comme une courtisane ne l'était pas. Elle voulait simplement vivre un grand amour, être ce qu'elle était, c'est-à-dire d'une lignée noble, et retrouver le respect que l'Exode lui avait fait perdre. Pourquoi tant de ressentiments? Qu'ai-je fait de mon vivant pour susciter cette rage qui les a animés contre ma personne? Voilà, c'est ce fabuleux, qu'on peut lire. Fabuleux monologue d'outre-tombe. D'outre-tombe. Oui, elle commence comme ça, parce que la dynastie va s'effondrer. Et elle, eh bien, on l'a fait renaître de ses cendres. Bianca, l'âme damnée des Médicis, c'est un roman enflammé qu'il faut lire aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Merci. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous. Parfum de scandale dans une grande école. La justice ouvre une enquête pour viol à Centrale Supélec. Viol, agression sexuelle et harcèlement, le résultat d'une enquête interne lancée par la direction de l'établissement. La moitié des effectifs de l'école ont été sondés, 2400 élèves, 659 ont répondu. Et écoutez bien, 74 de ces élèves affirment avoir été harcelés. 71 ont subi une agression sexuelle, 28 viols. Dans la quasi-totalité des cas, les faits auraient été commis par un autre étudiant dans le cadre universitaire. On a été totalement choqué, on a été estomaqué par les résultats sur lesquels on est tombé. On n'avait pas eu aucun signalement de violences sexistes et sexuelles de toute l'année 2020-2021. J'ai dit qu'on serait transparent, même si c'était susceptible d'entacher l'image de l'école. Ben, c'est ce qu'on fait. Et je pense que c'est important parce que c'est aussi un message pour tous les agresseurs ou agresseurs potentiels. C'est qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur l'école pour les dissimuler. S'il y a un signalement qui est fait, s'il y a une plainte qui est déposée, l'école se portera partie civile. On ne mettra pas la poussière sous le tapis, même si c'est susceptible d'entacher l'image de l'école. Iban Raïs et Anaïs Recouli, à leur tour, ont sondé des étudiants sur les résultats de cette enquête. Plein de personnes qui ne se rendent pas compte de l'ampleur des risques et des dangers. Donc c'est nécessaire pour faire une prise de conscience. Au niveau des résultats, comme vous tous, on a été un peu choqués parce qu'on ne s'attendait pas à ça, parce que ce n'est pas une atmosphère qu'on ressent au quotidien. Le prestige de l'école, il mérite d'être écorché pour un sujet comme ça. C'est nécessaire. À l'origine, la direction de l'établissement a confié cette enquête à une association de lutte contre le sexisme, SAPESE. C'est le nom de cette association et sa présidente nous explique la démarche. Le but, c'est vraiment de libérer la parole. Il faut que les victimes se rendent compte qu'elles seront crues, qu'elles seront écoutées, qu'elles seront soutenues. Et il faut que les agresseurs comprennent qu'on n'aura pas peur de parler de ces sujets-là. Un établissement n'aura pas peur de parler d'une polémique, n'aura pas peur de soutenir une victime pour préserver son image. Bonsoir Iban Raïs. Bonsoir. Reporter pour C'est à vous. C'est vous qui avez recueilli ces témoignages à Centrale Supélec aujourd'hui, mais vous êtes aussi l'auteur d'une enquête sur les grandes écoles. Bizutage, sexisme, viol, la fabrique des élites des Reichs, c'est chez Robert Laffont. Ce qui est nouveau dans ce dossier-là, c'est que c'est la direction là, qui a signalé les faits à la justice. Oui, Babette, c'est une première. Moi, j'ai enquêté pendant 2 ans sur HEC, l'ESSEC et l'EDEC. Et en fait, c'est vraiment la première fois qu'un directeur prend le taureau par les cornes et se dit... C'est pas grave, peut-être que l'image de mon école va être écornée à court terme, mais à long terme, voilà, le bien-être des étudiants va être assuré. À HEC, à l'ESSEC et à l'EDEC, tout ça, c'est mis sous le tapis. On attend que ça soit médiatisé pour en parler. Et en fait, agir contre ces violences sexuelles, ça reviendrait à admettre qu'il y en a. Elles ne peuvent pas se permettre ça, puisqu'elles sont obsédées, ces écoles-là, par les classements internationaux, dont celui du Financial Times. Donc c'est un risque, c'est du courage d'abord, mais c'est un risque aussi que prend le directeur de cette école. C'est un énorme risque. Au nom des jeunes filles, effectivement, qui sont scolarisées. Dans votre enquête, Iban, il ressort l'impression d'un sentiment d'impunité de ce que vous appelez des fabriques à élites. C'est le cas. Pendant 2 ans, j'ai quasiment tous les jours au téléphone des étudiantes qui sont violées, qui portent plainte à la police et qui alertent leur direction. Et il n'y a aucune conséquence, c'est-à-dire que les étudiants derrière accusés de ces viols ne sont pas entendus par des commissions dans leurs écoles. Et
ça continue, c'est-à-dire qu'on peut, on peut violer à HEC et dans ces écoles-là et ne pas être inquiété. Je rappelle juste que quand on porte plainte pour viol, quand une étudiante porte plainte pour viol, elle va attendre 3 ans et demi en moyenne avant qu'il y ait un potentiel procès. Donc l'étudiant qui est accusé de viol aura eu le temps d'être diplômé et aura eu le temps de commencer sa carrière professionnelle sans être inquiété, en fait. Et les écoles le savent bien. C'est pour ça que Centrale Tupélec est vraiment à la pointe. Exemplaire dans son traitement, en tout cas, de ces faits-là. La fabrique des élites déraillées, déraille, grandes écoles, bizutage, sexisme, viol, c'est signé Iban Raïs, chez Robert Laffont. Iban Raïs, de la rédaction de C'est à vous, et on n'est pas peu fiers. Merci, Iban. Merci. Un phénomène préoccupant à présent, quand une série à la mode se retrouve dans les cours d'école. Alors d'abord, il faut connaître Squid Game, série coréenne qui fait un carton dans le monde entier. C'est sur Netflix, si vous êtes passé à côté. Après tout, ça ne fait que quelques semaines que ça existe. Voilà à quoi ça ressemble. You can begin now. Tout le monde ici va participer à 6 jeux différents durant les 6 jours à venir. Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux. Remportera une énorme somme d'argent. C'est pas juste ce qui est arrivé! Vous pouvez pas impunément tuer des gens comme ça! Je vous rappelle que participer à ce jeu est une chance. Ce sont des jeux d'enfants que vous venez de voir et des perdants qui meurent. Ça fait une grosse différence du sang partout dans la série, évidemment. Il n'en fallait pas plus pour que ça dérape. En Belgique, d'abord, une fillette a été fouettée au visage après avoir perdu à 1, 2, 3 soleil. Écoutez cet enfant, c'est l'un de ses camarades, il a assisté à la scène. Au début, je pensais juste qu'il jouait à 1, 2, 3 soleil, mais après, en classe, j'ai vu que il jouait avec. Il se fouettait avec. Un truc, j'y ai pas participé parce que j'aime pas trop 1, 2, 3 soleil et j'ai pas envie de me faire mal. Les séries ils sont cool, mais si tu les refais dans la vraie vie, ça peut blesser, voire même tuer. Je voudrais préciser que la série est interdite aux moins de 16 ans en France. À présent, elle connaît un très grand succès également, Squid Game. Louis Amar et Audrey Payas ont interrogé le syndicat des proviseurs. La mode est déjà importée dans nos cours de récré. On a très peu de retours, mais on a quand même dans un département un signalement de 3 incidents graves dans une cour de récréation de collège. Des violences physiques, sur 3 individus qui ont visiblement été un peu blessés. Très rapidement, dans les jours qui viennent, que chaque principal ou chaque proviseur avertisse ses équipes, on va faire déjà de la prévention. On est assez étonné de constater à quel point souvent les parents ne sont pas bien informés et formés. Moi, j'ai constaté à travers mon parcours de 18 ans de direction que de plus en plus d'enfants allaient se coucher avec leur téléphone. Et que là, une fois qu'ils sont dans leur chambre et dans leur lit, il n'y a plus de contrôle. Alors comment réagir? Comment anticiper, que ce soit dans les cours d'école ou chez vous d'ailleurs, à la maison? Thomas Romer préside l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Il tient, cela dit, à relativiser. Il faut aussi relativiser. Ces phénomènes ne sont pas nouveaux, Netflix ne les a pas créés. Il y a déjà eu des incidents à l'époque du film Scream et je suis sûr que si on fouille dans les archives, on retrouvera aussi des incidents qui se sont produits à l'époque des westerns. Et je rappelle aux parents qui nous écoutent que notamment cette plateforme de VOD dispose d'un contrôle parental puisqu'elle est interdite aux moins de 16 ans. Nous, ce qu'on appelle également, c'est à mettre en œuvre, en fin de compte, de l'éducation à l'image, en essayant de discuter avec les enfants de ce qu'ils voient et de déconstruire les images. C'est le cas également pour pas mal de jeux vidéo. Et tout ça contribue à mettre en place un dialogue familial autour de la régulation de l'utilisation des outils numériques. Alors c'est aussi, vous venez de l'entendre, une question de responsabilité parentale, bien sûr, qui est posée. Ce que regardent finalement nos enfants, la série est interdite, je le rappelle, aux moins de 16 ans, mais ces élèves de 12 ans, ils sont tous en 5e, et la plupart voient très bien de quoi on parle. Est-ce que tu as déjà regardé Squid Game? Non, je n'ai pas le droit, parce que c'est trop violent. Oui, j'ai tout terminé. T'as quel âge? J'ai 12 ans. Tu sais que t'as pas le droit? Ah, non, mais sur TikTok, ça passe. Il y a des extraits? Il y a des extraits. Tu as quel âge? 11 ans. Tu sais que t'aurais pas le droit normalement de regarder cette série. Ouais, je sais. Mais franchement, ça va. Hein. J'ai joué à Squid Game? Non, je vais pas mourir. Donc si des copains te le proposent à une récré... Je vais dans les toilettes. Non, mais dans l'école de mon frère, il a 9 ans, ils ont fait un jeu Squid Game. Comme quoi, à la place de mourir, ils étaient juste éliminés. Par exemple, si quelqu'un perdait, il faisait un gage. Quoi comme gage, par exemple? Par exemple, 10 pompes, 10 squats. Nature Ricard, je vous ai entendu pendant la bande-annonce
Un problème avec l'esthétisation de la violence, peut-être ? Oui, non, si vous voulez, toutes les études, notamment menées aux États-Unis, avec 100 000 enfants sur des années, ont montré sans équivoque que l'exposition à la violence dans les jeux vidéo violents induisent la violence chez les enfants. Une heure de plus par jour à l'âge de 5 ans pour les petites vidéos violentes double la probabilité de comportements antisociaux 5 ans plus tard. Donc, faire de l'argent sur quelque chose qui nuit sciemment aux enfants, c'est profondément inacceptable. Patrick de Carolis, l'ancien professionnel de la télévision. On voit bien la responsabilité que les professionnels ont. C'est-à-dire qu'on a, de moins en moins de filtres pour ces enfants. Il ne faut pas faire porter toute la responsabilité sur les parents, parce qu'aujourd'hui, les parents, d'abord, ils travaillent, et puis c'est compliqué de rentrer aussi en contact avec les jeunes, avec les gamins. Et, voilà. Mais il faut qu'il y ait une responsabilité professionnelle. Il faut que sur nos écrans, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les écrans de cinéma ou que ce soit la télévision, il faut qu'il y ait une responsabilité à un moment donné sur certaines scènes. La Fédération internationale de rugby interdit certaines couleurs sur le terrain. Oui, le rugby, c'est parfois des images un peu violentes aussi. Alors, il n'y aura plus de matchs des rouges contre les verts. Pays de Galles, Irlande, par exemple, devront choisir d'autres couleurs. Pourquoi ? Pour permettre aux daltoniens de suivre les matchs. Vous allez voir, c'est la fédération qui l'annonce ce matin. Ça prendra effet en 2027. À l'écran, vous allez voir cet aller-retour pour comprendre ce que vivent les daltoniens. Les rouges contre les verts, ça, c'est la vision normale. Et regardez, on a du mal à distinguer forcément dans une mêlée. Ça prendra effet en 2027. Du sport, toujours, avec la joie des supporters de Newcastle. On est au nord de l'Angleterre. Pas de trophée, non. Ils n'ont pas gagné de match non plus. Hier, ils ont été rachetés. Vendu par un consortium saoudien porté par la famille royale, Newcastle dépasse désormais Manchester City et même le PSG dans les classements des clubs détenus par les pays du Golfe. Et puis, puisqu'on parle de football, la France devient décidément la bête noire des Belges. Titre moqueur de l'équipe ce matin, le seum deux fois. Parce qu'à nouveau, les Bleus surprennent les Belges, les écoeurs. J'utilise le terme seum désormais, puisqu'il est validé par le compte Twitter Becherel officiel. Vous le voyez, le seum, c'est le dégoût. Et un peu d'autocongratulation ce soir, Babette, puisque Sen, le chat que nous avions invité sur le plateau hier soir pour pronostiquer Belgique-France, a passé un bon match sur son canapé. Il avait donné le bon résultat. Ah bon? Alors, Patrick, l'avare. Si. Non, l'avare, pardon. L'avare. Regardez, on a le résultat en ralenti. Vous voyez que le chat choisit spécifiquement le bol français juste avant qu'on ne lui fasse peur. Merci beaucoup, Mathieu. On vous donnera régulièrement des nouvelles de Seine. Alors, ce chat qui est devenu notre mascotte. On signale, Mathieu Ricard, le recueil de poésie de votre sœur Ève Ricard, Éclat de vie en 60 poèmes. Vous teniez à lui passer ce message fraternel. Je vais faire un hommage pour son courage et c'est un exemple pour moi aussi. Voilà, on la salue aussi, Ève Ricard. Merci beaucoup, Patrick de Carolis. Merci à vous. Vous offre les ouvrages de Mathieu Ricard voilà, pour méditer avant demain de rejoindre le Havre. Vous offrez Bianca ? Oui, et bien sûr, j'offre Bianca. L'âme d'année de Médicis aux éditions de l'Observatoire. Dans un instant, une spéciale jeu sur C'est à vous. J'ai déjà les buzzers et j'ai les questions. Question pour toi, champion. À tout de suite. Je rends, on me hurle dessus à l'oreiller.